Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Nocturne du Plan de Rome, bienvenue également à ceux qui nous suivent sur Internet. C'est la 50e Nocturne ce soir qui est enregistrée. Il doit y en avoir à peu près autant qui n'ont pas été enregistrés. Donc c'est un plaisir de recommencer une nouvelle saison avec vous. Et puis vous verrez, ce sera une saison qui, du côté du Plan de Rome, sera marquée par plusieurs événements, une nouvelle scénographie du plan de Rome lui-même, de la maquette de Paul Bigot, un nouveau site internet, un sous-titrage des Nocturnes en podcast, dont nous vous reparlerons de tout cela au fur et à mesure. Alors le sujet de ce soir, c'est la brique et le marbre à Rome. À la différence du visiteur d'Athènes, ébloui par les monuments de l'Acropole, le visiteur de Rome est souvent déçu par l'aspect des monuments qu'il voit sur le Forum ou le Palatin. Cela tient à une différence de construction, différence d'une méthode de construction différente. Pour simplifier et pour reprendre un vocabulaire de la menuiserie moderne, on pourrait dire que les Romains construisent en plaquage alors que les Grecs construisent en massif. Ce qu'il nous reste des monuments grecs, c'est un corps massif, ruiné, mais souvent encore très beau. Ce qui nous reste des monuments romains, ce n'est que le squelette, souvent ruiné lui aussi, et il faut bien le dire, pas très beau. Alors cela vient d'une technique de construction révolutionnaire qui a permis aux Romains de construire rapidement, efficacement, avec beaucoup de solidité et pour un résultat, c'est ce que nous essayons de montrer dans notre session virtuelle, pour un résultat qui était également esthétique. Je veux parler de la technique du béton. Alors, nous n'allons pas passer en revue toutes les techniques de construction romaine, bien entendu. Il y a pour ça le merveilleux livre de Jean-Pierre Adam. Jean-Pierre Adam, qui nous fait aussi le plaisir de faire partie de notre comité scientifique depuis maintenant plus de 30 ans. Et beaucoup de ce que vous allez entendre et voir ce soir, nous lui devons. Je vais donc simplement vous parler ce soir de la manière de construire l'ossature d'abord des bâtiments en utilisant cette technique du béton, sachant que les Romains, dans l'Antiquité, ne voyaient jamais les monuments, ou du moins la plupart des monuments, ils ne les voyaient jamais comme nous les voyons aujourd'hui, parce que sur cette ossature, il y avait un revêtement qui leur donnait leur apparence réelle. Pour finir, Sophie vous emmènera dans notre modèle virtuel et elle essaiera de vous montrer avec un autre œil ce que l'on peut deviner derrière la façade des monuments, en allant à la fois dans un quartier populaire et dans un quartier monumental. Alors bien sûr, les Romains savent construire en grand appareil, c'est-à-dire en grand bloc de pierre. C'est ce qu'on appelle l'opus quadratum, l'architecture noble, où on assemble des gros blocs de pierre, généralement à sec, sans mortier, en liant les pierres les unes aux autres avec des agrafes métalliques scellées avec du plomb, ce qui explique que bien souvent on voit des trous dans les façades de ces édifices en grand bloc, parce qu'on a cherché ensuite à récupérer aux jonctions ces agrafes. Alors, la façade du Colisée en est un magnifique exemple, mais on en trouve bien d'autres dans Rome. La muraille servienne, par exemple, dans l'état où nous la voyons ici, elle date du IVe siècle avant Jésus-Christ, à une époque où le béton n'existait pas encore à Rome. Elle est construite aussi en grand appareil. Et même à une époque où on connaît déjà l'utilisation du béton, où on la pratique fréquemment, on construit encore, par exemple ici, des aqueducs en opus quadratum, en grand appareil. Alors, qu'est-ce que c'est que le béton romain? C'est d'abord ces grands blocs que vous devez voir dans les édifices, dans certains édifices monumentaux, des gros blocs qui sont tombés des voûtes suite à un tremblement de terre et qui sont là depuis presque 2000 ans,
toujours aussi compacte. Ils n'ont pas bougé. On pourrait dire, pour simplifier, que le béton romain, c'est comme le béton moderne, à la différence près qu'on utilise de la chaux à la place du ciment. C'est le béton moderne, c'est mélange ciment, sable, cailloux et eau. Et bien le béton romain, c'est chaux, sable, cailloux et eau. Mais les différences sont quand même un petit peu plus complexes et on va commencer par quelques définitions. D'abord la chaux. La chaux peut se présenter sous deux formes. Quand elle sort du four, c'est de la chaux vive. La chaux vive, c'est de la pierre calcaire que l'on a brûlée à très haute température, jusqu'à 1000 degrés. Pour en faire un liant, il faut la mêler à de l'eau. Elle devient alors de la chaux éteinte. En principe, on construit les chaux-fourniers, on livrait leur chaux vive aux entreprises de maçonnerie, qui, près du chantier, vont construire ce qu'on appelle une fosse d'extinction, une fosse qu'ils vont creuser dans le sol. Ils vont y mettre la chaux vive, verser de l'eau dessus. Il va se produire alors une réaction assez étonnante, une sorte de bouillonnement. La chaux va se mettre à bouillonner, on dit foisonner. Elle va monter à très haute température, ça peut monter à 80, 90 degrés. Et puis, on va laisser reposer cette pâte, et c'est cette pâte qu'on va utiliser ensuite pour faire du mortier. On peut, une fois d'ailleurs la chaux éteinte, ça va prendre un temps plus ou moins long, on peut recouvrir la fosse de terre et conserver ainsi cette chaux pendant assez longtemps. Pline conseille de la garder pendant 3 ans. En fait, il l'utilisait beaucoup plus vite que ça. Alors avec cette chaux éteinte, on va faire soit du mortier simple, on va mélanger le sable, la chaux et rajouter de l'eau pour reliquéfier le tout, ou bien du mortier hydraulique. Ah, ça, c'est une spécificité romaine qui est très intéressante. On va ajouter au mortier simple du tuileau, c'est-à-dire des briques ou des tuiles écrasées, ou bien de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est un sable ou une pierre des graviers volcaniques très très fin. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'il se produit entre la chaux et le tuileau ou la pouzzolane une réaction chimique en présence d'eau ou d'humidité qui fait que ça devient indestructible. Ça devient imperméable d'abord. Ça devient imperméable et ensuite indestructible. Pour faire du béton, eh bien, on va prendre du mortier et des cailloux et des agrégats. Mais c'est là peut-être qu'il y a la plus grande différence avec notre béton moderne. D'abord sur la taille des agrégats. Dans le béton moderne, les agrégats sont relativement petits. Dans le béton romain, les agrégats, ce sont des petites pierres, ce sont des fragments de briques, de tuiles ou des fragments de marbre. Et puis, aujourd'hui, quand on fait du béton, on mélange tout avant et on coule l'ensemble dans le coffrage. Les Romains ont d'un côté le mortier, de l'autre côté les agrégats. Ils vont donc mettre une couche de mortier, une couche de cailloux, ils vont tasser, bien tasser, et puis une couche de mortier, une couche d'agrégat, etc. Alors on va utiliser le béton à 3 niveaux de la construction. On va utiliser le béton dans les fondations, on va l'utiliser en élévation et on va l'utiliser pour la couverture. Dans les fondations, à chaque fois on aura des méthodes un peu différentes. Dans les fondations, on va faire un coffrage. Le long de la tranchée de fondation, on va mettre des planches horizontales qu'on va maintenir avec des poteaux verticaux. Et pour que les poteaux verticaux gardent bien leur écartement, on va mettre des entretoises qu'on enlèvera au fur et à mesure que la couche de béton va s'élever. En effet, les planches et les poteaux, eux, sont perdus et on retrouve encore leurs traces aujourd'hui quand des fondations sont mises à nu, parce qu'ils ont pourri, ils se sont délités avec le temps. Mais on voit bien, par exemple, ici, sur les fondations du portique du temple de Vénus et de Rome, la trace des poteaux verticaux et des planches horizontales. Ces fondations peuvent atteindre des proportions gigantesques. Pour le Colisée, par exemple, la fondation du Colisée
c'est un immense anneau elliptique de 12 mètres de haut. Vous vous rendez compte ? 12 mètres de haut, un immeuble de 3 étages, sur 51 mètres de large. On estime qu'on a coulé là 210 000 mètres cubes de béton. Et ce qu'on n'imagine pas toujours non plus, c'est la quantité de bois de coffrage perdu nécessaire. Françoise Villedieu et son équipe ont calculé que pour les fondations du temple d'Elagabal sur le Palatin, qui sera ensuite dédié à Jupiter Ultor, il a fallu 4600 poteaux, 21 000 planches et la nécessité d'abattre entre 930 et 1230 arbres. Passons maintenant à l'élévation. Pour l'élévation, on ne va pas coffrer généralement, mais on va commencer par construire les parements de chaque côté du mur, qu'on va coller, qu'on va sceller avec du mortier. Quand on a fait un, deux ou trois rangs de parements, on coule à l'intérieur le béton. Je vous rappelle, couche de mortier, couche d'agrégat, couche de mortier, etc. Et puis, on recommence sur un, deux, trois rangs suivants. Quand le mur devient trop haut pour être à hauteur d'homme, on va construire un échafaudage qu'on va faire tenir d'un côté dans des trous pratiqués dans le mur qui est en cours d'élévation, ce qu'on appelle les trous de boulin, et de l'autre côté, tenir sur des perches ou bien sur des étais. Aujourd'hui, on voit encore dans certains murs romains, quand ils n'ont plus leur enduit, ou qu'ils n'ont pas d'enduit, on voit ces trous de boulin qui marquent les différentes étapes du travail. Le parement, il peut être fait en pierre ou en brique. Quand il est fait en pierre, ce peut être des pierres relativement régulières. Ici, à Jublin, on voit bien la distinction entre le parement et le béton parce que le haut du parement a été récupéré. Les pierres ont été récupérées, donc on voit le béton qui est resté à nu au-dessus. Et puis en dessous, on voit encore des rangs de parement de pierres pas très, très régulières. On peut, par contre, avoir des pierres extrêmement régulières qu'on va tailler de manière standard. C'est avec une petite face carrée et puis une pointe qui va s'enfoncer dans le cœur en béton pour que ça tienne bien. Vous voyez que la mire, là, qu'on a des carrés qui font environ entre 6 et 7 cm. On va les disposer en losange. C'est ce qu'on appelle l'opus reticulatum. Et puis, et ça va être une des caractéristiques de Rome, sous l'Empire, on va utiliser en parement la brique. La brique qui, à partir de l'époque d'Auguste, va devenir de plus en plus standardisée. Alors cette brique, on l'utilise en la taillant. Regardez une brique qu'on voit bien ici en haut du parement. Regardez comment elle est taillée. Elle est taillée en pointe aussi. On les taille en pointe de manière à ce qu'elle s'enfonce bien dans le cœur en béton. Sur le chantier, les maçons ont été livrés en taille standard, il y a trois tailles essentiellement de briques, et ces briques, ils vont les recouper en deux, en quatre ou en huit pour refaire des briques pointues qui vont enfoncer dans le cœur de béton. On peut aussi alterner briques et pierres. C'est ce qu'on appelle l'opus mixtum. Le nombre de rangs de pierres, de briques peut varier. On pourrait penser qu'il s'agit d'un effet esthétique, parce que c'est assez joli comme ça. En fait, non, ce n'est pas un effet esthétique, parce que généralement, c'était recouvert. Les rangs de briques, en fait, servent à deux choses. Ils servent, un, à re-régler les niveaux. C'est plus facile de régler le niveau sur des rangs de briques qui ont une surface bien plate que sur des rangs de pierre qui ont une surface irrégulière. Et ils servent aussi, dans certains cas, à chaîner les deux parties du parement. C'est-à-dire qu'on fait aller les briques d'un côté, d'un parement à l'autre, et ces briques tiennent les deux parties, les deux parements. On arrive maintenant à la couverture. Là, il va falloir de nouveau coffrer, avec un coffrage rond qu'on appelle le cintre. Ce cintre, on va l'appuyer sur des corniches que l'on a aménagées en haut de l'élévation, ou sur des corbeaux, des pierres en saillie qu'on va laisser également en haut de l'élévation, ou sur les deux à la fois. Quelquefois, on voit encore ces corbeaux qui ont été laissés en place.
Ensuite, eh bien, on va couler le béton. On peut couler le béton directement sur les planches du coffrage, ce qu'on appelle les couchis. Ici, on voit, hein, si je pense, vous voyez, les traces des planches de coffrage, une fois que le béton a séché, a pris. Mais on peut aussi remettre une couche de briques plates, avec régulièrement des briques mises de champ. Alors, les deux types de briques ont deux intérêts. La couche de briques plates va créer un nouveau cintre qui va renforcer le premier et qui surtout ne va pas se déformer, qui va rester bien rond, parce que le cintre en bois, sous l'effet de l'humidité et de la chaleur, a tendance à se déformer. Lui, le cintre en briques, va bien garder sa forme. Et puis, les briques posées de champ vont créer des sortes de compartiments qui vont faire en sorte que le béton ne descende pas au fur et à mesure qu'on le coule sur la voûte qui est arrondie. On voit des traces de cette technique ici dans la voûte des grands thermes de la Villa d'Adrien à Tivoli. Vous voyez les extrémités des briques posées de champ. On ne voit pas bien les briques. Il reste quelques fragments de briques posées à plat. On les voit mieux ici dans les thermes de Caracalla. Mais il faut bien penser que tout ça, bien sûr, était recouvert d'enduit et que les Romains ne voyaient pas ces couches de briques derrière l'enduit. Quand on voulait faire un plafond à caisson, eh bien, il fallait prévoir dans le coffrage la moulure du caisson. Et on coulait le béton par-dessus. Quand on enlevait ensuite le cintre, on enlevait après le coffrage du caisson, et il ne restait plus qu'à finir le caisson avec un bel enduit, une peinture, comme on le voit ici au Panthéon. Alors, les avantages de cette technique sont au nombre de 3. Le premier avantage, c'est d'abord la rapidité. Pensez que les thermes de Caracalla, qui font le seul bâtiment central, le bâtiment de bain, fait 22 000 mètres carrés. Ils ont été construits en 5 ans. Notre-Dame de Paris, qui fait 5 500 mètres carrés, le quart de ce bâtiment central, a été construite en 90 ans. Le deuxième intérêt, c'est qu'on peut employer une main-d'œuvre peu qualifiée. Il faut des maçons expérimentés pour faire les coffrages, pour faire les parements, mais ensuite, pour gâcher le béton et pour le couler, n'importe qui peut le faire. Et puis enfin, troisième avantage, c'est la solidité. Surtout quand on utilise du mortier hydraulique pour faire le béton, c'est un béton qui est quasiment éternel. Alors ce troisième avantage a pour conséquence que ce que l'on voit aujourd'hui généralement, c'est l'ossature des bâtiments. Et il nous manque le reste, ce qui venait par-dessus cette ossature. Alors, qu'est-ce qui venait par-dessus? Prenons l'exemple de la curie. Aujourd'hui, elle nous semble en brique, mais la brique, c'est simplement le parement de brique. Regardez bien sous la corniche, à l'endroit où le mur était abrité de la pluie, parce que la pluie a lavé l'enduit, depuis presque 2000 ans que ça coule dessus. La pluie a lavé l'enduit, mais regardez bien sous la corniche, on voit que sur ce parement, on avait collé un enduit épais qu'on appelle du stuc, et sur ce stuc, on avait dessiné des joints, si bien que la curie avait l'apparence d'un bâtiment construit en pierre de marbre, bien régulière. Et à l'intérieur, eh bien, on avait des plaques de marbre sur les parties basses de la peinture de l'enduit tout à fait en haut. Et là, les plaques de marbre n'ont pas disparu par la pluie intérieure, elles ont disparu parce qu'elles ont été récupérées pour d'autres bâtiments. Beaucoup d'églises, par exemple, utilisent des marbres qui viennent des monuments antiques. Autre exemple, les palais du Palatin. C'est immense, c'est impressionnant, mais ce n'est pas très beau. Il faut imaginer
qu'à l'origine, tous ces murs que l'on voit de briques étaient soit enduits, soit couverts de plaques de marbre, comme celles qu'on voit encore ici au pied de ce mur. C'est un marbre précieux, c'est du Giallo Antico, un très beau marbre jaune. Regardez encore cette villa, la villa des Cantilli, qui est un véritable palais. Ce sont deux frères qui l'ont construit dans les années 150. Ensuite, Commode les a assassinés, leur a pris leur villa. Ça ne lui a pas porté chance, c'est là qu'il a été assassiné lui-même 10 ans plus tard. Mais c'est un véritable palais aussi. Et là encore, c'est grand, c'est pas très beau aujourd'hui, mais c'était magnifique dans l'Antiquité. Regardez tous les couloirs ici, plaqués de marbre blanc, les pièces enduites et peintes. Alors quand on faisait de la peinture comme ça, on faisait 3 couches d'enduit sur principe, enfin Vitruve 17. Mais dans la pratique, on s'aperçoit que bien souvent, c'est simplement 3. Une couche grossière, une couche plus fine, une couche très très fine sur laquelle est appliquée la peinture finale. Alors est-ce que ça veut dire que jamais un parement n'était laissé nu? Non. Il y a d'abord le cas des parements en grand appareil, en gros bloc de pierre. On le voit ici au tombeau de Kekilia Metella. On a un cœur de mur, un noyau de mur en béton. Et le parement ici, ce sont des gros blocs. Donc on les a laissés nus, laissés visibles. C'est de l'architecture noble. Mais regardez bien. Vous voyez la dimension, ce bloc? Eh bien, on a quand même éprouvé le besoin de faire des faux joints, qui sont indépendants des joints réels, de manière à ce que l'ensemble donne une apparence bien régulière. C'est cette technique qui est utilisée pour faire les podiums de beaucoup de temples. Mais comme aujourd'hui, tous ces gros blocs de pierre qui faisaient le parement ont été récupérés, eh bien, ces temples ont une bien triste allure. Et cette récupération s'est faite jusqu'à assez tard. On sait que Michel-Ange, pour faire la base de la statue de Marc Aurèle sur la place du Capitole, a utilisé un bloc de marbre venant d'un monument antique. Pour Filippo Corelli, il vient du temple de Castor et Pollux. Il y a quelques cas quand même, où l'on sait que la brique était laissée apparente. Alors, il y a bien sûr les immeubles d'habitation, des bâtiments communs, même, ou des bâtiments utilitaires, les marchés de Trajan, par exemple, ont été laissés en briques apparentes. Mais pensez que, alors que nous, on les voit bien aujourd'hui, les Romains ne les voyaient pas. Ils étaient cachés derrière de grands murs. Mais dans certains cas, on a utilisé la brique à des fins décoratives. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. Ceux qui s'intéressent pourront consulter les travaux d'Evelyne Bukowiecki, qui est la responsable du département d'archéologie de l'École française de Rome, qui est spécialiste de la brique. Je vais simplement vous montrer 2 exemples. D'abord, ces oreas, ces entrepôts à Ostie, et qui ont été laissés en briques apparentes. Et vous voyez comme les maçons ont joué à la fois sur la polychromie de la brique, en utilisant des briques de couleurs différentes, par exemple ici, vous voyez, pour faire les chapiteaux, alors que la chapiteau clair, alors que la colonne est plus foncée. Et puis, ils ont joué aussi sur la taille de la brique, et pour faire comme des denticules, pour faire comme des consoles. Ils ont placé aussi des briques en encorbellement pour faire comme une corniche. Et puis, je terminerai avec cette tombe, dite la tombe d'Anna Regilla, où on retrouve à la fois ces effets de polychromie et ces effets de taille de la brique. Avant de laisser la parole à Sophie, simplement quelques petits points de chronologie. La technique du béton apparaît à la toute fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, on a une standardisation de la taille des briques et une utilisation de plus en plus massive de la brique, à Rome en tout cas, en parement, ce qui explique que quand vous visitez Rome, vous voyez surtout une Rome des ruines de briques. Et puis, début du 2e siècle après Jésus-Christ, apparition de la taille décorative de la brique, on a du mal à mesurer jusqu'à quand cette pratique a continué. Voilà, je laisse maintenant Sophie vous emmener dans Rome. Bonsoir.
La chaux était un matériau extrêmement précieux dans l'Antiquité romaine, car son utilisation était double. Elle a tout d'abord été utilisée sous forme d'enduit pour décorer les parois. C'était son usage le plus ancien, puisque les Égyptiens utilisaient déjà cette technique pour décorer leurs murs. Et dans l'architecture, plus spécifiquement romaine cette fois, la chaux était utilisée en mélange avec du sable et de l'eau pour créer une sorte de mortier qui était ensuite posé en alternance sur des lits de pierre pour créer le fameux béton romain. Tout le génie des Romains a finalement consisté à remplacer l'argile par la chaux. C'est précisément cette invention qui leur a permis de construire des monuments toujours plus solides, toujours plus hauts, allant jusqu'à l'exploit de la construction de la coupole du Panthéon, une coupole de 43 mètres de portée, mais j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu plus tard. La première chose que nous allons voir ce soir est donc le procédé de fabrication de cette chaux. Pour créer de la chaux, il faut tout simplement faire cuire des pierres calcaires dans des fours spécifiques que l'on appelle des fours à chaux. De tels fours ont été retrouvés à la périphérie de Pompéi, mais il existait naturellement des fours tout à fait comparables dans la campagne de Rome. En voici un exemple. Les fours à chaux sont le plus souvent construits directement dans les carrières de calcaire qui vont leur fournir leur matière première. Pour obtenir de la chaux vive, celle qui est la plus légère à transporter et donc la plus communément utilisée, il faut brûler ces pierres calcaires à environ 1000 degrés. Les fours qui permettent de chauffer ces pierres sont construits selon un plan plus ou moins circulaire et ils s'élèvent en forme de cheminée. Le but est que le sommet de la cheminée arrive tout en haut de la falaise de calcaire au pied de laquelle ils sont construits. Dans la mesure où les pierres seront chargées dans le four par le haut, vous comprenez bien l'intérêt de construire le four à la même hauteur que la falaise. On évite ainsi d'avoir trop de matériaux à déplacer, ce qui permet d'économiser de la main-d'œuvre. Ensuite, on va allumer le feu dans la partie inférieure, que l'on appelle la chambre de chauffe. Le four que vous avez devant les yeux correspond exactement à celui que décrit un auteur latin qui s'appelle Caton et qui explique comment construire un four à chaux dans son traité sur l'agriculture. Donc celui-ci mesure 3 mètres de diamètre et il atteint sensiblement les 6 mètres de haut. Le cycle de chauffe d'un four comme celui-là est d'environ 3 semaines. Il va falloir une semaine pour construire l'amas de pierre qui va être brûlé à l'intérieur du four. Ensuite, il faut compter une semaine pour cuire le calcaire, et enfin une semaine pour défourner, c'est-à-dire pour récupérer la chaux sous forme d'amas de pierre blanchâtre depuis le bas du four. C'est à ça que sert le petit râteau que vous voyez en bas de l'image. Alors ces pierres, elles seront ensuite transportées jusqu'au chantier de construction de Rome grâce à des charrettes. Une fois sur place, la chaux pourra soit servir à la préparation des enduits, soit servir de liant pour réaliser du béton romain, que l'on pourra utiliser soit dans des fondations, soit pour élever des murs, soit pour construire des coupoles. La troisième possibilité consistait à utiliser de la chaux mélangée avec du sable, de l'eau et du tuilot, c'est-à-dire des petits morceaux de céramique, pour préparer un ciment que l'on appelle du ciment hydraulique. Ce ciment sert notamment à étanchéifier les bassins, comme celui que je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais me déplacer au nord de Rome, sur le champ de Mars, et je vais vous montrer ce qu'était devenue la méridienne construite par Auguste, au IVe siècle après Jésus-Christ. Cette méridienne a déjà été évoquée lors d'une nocturne qui était consacrée au dieu Janus et que vous pouvez retrouver en podcast. À l'origine, la méridienne permettait d'identifier précisément le milieu de la journée, c'est-à-dire le midi solaire. On pouvait également repérer les différents moments de l'année, mais je ne m'y attarde pas, vous pourrez regarder la vidéo en ligne. Ce qui m'intéresse, c'est que nous savons qu'à partir de l'époque flavienne, la lecture de la méridienne a été faussée, peut-être en raison de mouvements de terrain.
Ici, on est sur une ancienne zone de marécage. Donc, un petit peu plus tard, sous l'empereur Adrien, un bassin a été construit à l'emplacement de cette méridienne. Alors, je vais vous présenter comment elle se présente, comment se présentait cette méridienne avant d'être remplacée par un bassin. La voici. Donc, vous voyez, au départ, on pouvait lire toutes les informations intéressantes sur le centre de cette méridienne. Ensuite, pour étanchéifier cet ensemble qui était destiné à devenir un bassin, il a fallu utiliser du ciment hydraulique. C'est ce ciment qui est caractérisé par cette couleur rose-orangée que vous voyez déjà sur les côtés du bassin. On va également en mettre sur le sol, ce qui va faire disparaître complètement le marquage de bronze. Et une fois que cette structure sera étanche, il n'y aura plus qu'à mettre de l'eau à l'intérieur. Et c'est de cette façon-là que la méridienne se présentait au IVe siècle. Cet exemple permet de montrer comment la fonction primaire des édifices peut être détournée par pragmatisme et comment des solutions sont mises au point pour tirer le meilleur parti des anciennes structures tout en préservant leurs souvenirs. Nous allons maintenant nous intéresser de façon plus spécifique aux parements de briques, puisque c'est le thème de ce soir, et nous allons traiter ce sujet en nous focalisant sur les immeubles d'habitation, que l'on appelle également les insulae. Je vais vous montrer différents traitements potentiels de la brique, sans introduire de critères d'esthétisme, chacun de vous se fera sa propre idée. Il existait d'abord des immeubles couverts de briques apparentes, laissés nus, qui avaient la particularité d'avoir été construits avec un seul type de terre, c'est-à-dire avec une seule nuance de rouge. Ce type de parement est surtout caractéristique de l'architecture privée. Sauf exception, comme au marché de Trajan, ce choix était rarement fait pour l'architecture publique. La deuxième option consiste à ajouter un enduit sur la brique, un enduit qui est réalisé, je vous le rappelle, avec de la chaux, du sable et de l'eau. Dans cette configuration, sauf en cas d'usure et de manque d'entretien, la brique, normalement, n'est plus du tout visible. On voit d'ailleurs que le propriétaire de cette insula n'est pas très soigneux. Il serait temps qu'il demande à un maçon de refaire l'enduit puisque la brique commence à réapparaître par endroits. Ces enduits apposés sur la brique pouvaient soit être laissés bruts, comme ici, soit être peints de différentes couleurs, comme vous allez le voir sur la domus qui se trouve sur notre gauche. Nous sommes ici devant la maison particulière d'un riche propriétaire qui vient manifestement de refaire les peintures extérieures. Il était classique d'opter pour du rouge foncé pour la partie la plus basse du mur, qui est évidemment la plus salissante puisque c'est celle qui est en contact avec le sol. Et le reste du mur était généralement laissé peint avec des couleurs beaucoup plus claires. Il faut bien aussi comprendre que dans l'Antiquité, les murs des insulae et des domus étaient des supports d'expression tout à fait ordinaires. Ils étaient souvent utilisés pour peindre ou pour graver des graffitis. Alors ça peut être des annonces électorales, des annonces de jeux à venir ou d'autres considérations de plus ou moins bon goût. Toujours est-il que ces murs étaient donc fréquemment repeints avant d'être à nouveau recouverts de prose plus ou moins littéraire. Alors cela pouvait aller comme ici des premiers vers de l'Inéide, Arma uirumque cano, jusqu'à des indications sur les talents de telle ou telle prostituée, mais je ne citerai pas les textes. Je vais maintenant vous montrer une autre variante de parement. Les maçons pouvaient aussi utiliser des briques venant de différents ateliers quand ils savaient que le parement allait être laissé nu, donc sans être enduit. Au lieu d'avoir une façade uniforme, le mélange des briques offrait toute une variation de teintes à la façade. Vous voyez ici d'ailleurs que des briques de couleur plus foncée ont été choisies pour rehausser, pour mettre en valeur les arcs de décharge. Je vais terminer la présentation de ce quartier en vous présentant l'Arapakis, l'hôtel de la paix construit par Auguste
mais dans son état du 4e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez que l'Arapakis apparaît enfoncé dans le sol, puisque le niveau de la rue s'est exhaussé par rapport à l'époque augustéenne. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est comment dans un même quartier, l'architecture de briques va côtoyer l'architecture de marbre. Parce que cet hôtel de la paix est entièrement construit en marbre massif. Et pourtant, malgré cela, les architectes n'ont pas souhaité conserver la couleur originale du matériau. Ils ont ressenti le besoin de le rehausser de couleurs vives. L'Arapakis permet donc de nuancer l'image très blanche de la Rome antique qui est souvent véhiculée. Cette ville était aussi pleine de couleurs, elle était pleine de vie, et c'est ce que nous essayons de rendre par petites touches dans notre restitution. Pour la prochaine partie de la visite, je vous propose de nous diriger vers le Panthéon, qui est le point d'orgue de la construction romaine. Alors, rendons-nous au Panthéon. J'irais même jusqu'à dire que ce Panthéon marque l'aboutissement du génie romain en termes de maîtrise technique. Le Panthéon permet à lui seul de synthétiser la multitude de modes de construction connus à l'époque romaine. Nous allons d'abord voir un exemple de construction massive avec les colonnes qui supportent la partie pentue qui se trouve devant, à l'avant du Panthéon, qu'on appelle le pronaos. Les fûts en granit de ces colonnes sont constitués d'un seul bloc de pierre. Nous verrons ensuite le plus bel aboutissement d'utilisation du béton romain avec la coupole du Panthéon. Ce fut la plus grande coupole jamais réalisée dans l'histoire jusqu'au XXe siècle. Nous verrons enfin quelles solutions les architectes ont choisies pour recouvrir les parements de briques des murs qui sont visibles aujourd'hui à l'extérieur du Panthéon mais qu'on ne voyait pas dans l'Antiquité. Vous verrez qu'à l'intérieur du Panthéon, les briques étaient entièrement recouvertes de plaques de marbre, alors qu'à l'extérieur, elles étaient entièrement recouvertes d'enduit, ce qui donnait une teinte très blanche à cet édifice, mais en économisant le matériau, puisqu'il n'y avait pas du tout de marbre à l'extérieur du Panthéon. Je vous montrerai également en fin de visite comment les maçons pouvaient utiliser du lait de chaux pour redonner régulièrement à tous ces bâtiments toute leur blancheur, et ce, à moindre coût. Mais commençons tout de suite par regarder la construction en bloc massif. J'attire votre attention sur les 16 colonnes qui soutiennent le fronton d'entrée et particulièrement sur les 8 colonnes de façade, celles qui sont en granit gris. Pour la façade, les Romains ont utilisé un seul bloc de granit, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce granit vient des carrières du mont Claudianus, en Égypte. Or, ces carrières se trouvent à 150 km du Nil. Ça veut dire que ces énormes blocs de granit ont été transportés sur 150 km dans le désert égyptien avant d'arriver au niveau du Nil. À ce moment-là, ils ont été chargés sur un premier bateau qui a descendu le Nil pour se rendre jusqu'à Alexandrie. À Alexandrie, il a fallu à nouveau décharger le navire et charger ses colonnes sur un deuxième bateau capable de traverser la Méditerranée. Et une fois arrivé à Rome, à l'emplacement du futur Panthéon, il a encore fallu redresser ses colonnes, qui pèsent chacune plus de 42 tonnes. Rendez-vous compte. Cet exemple nous montre que les Romains ont toute l'ingénierie nécessaire pour transporter et pour dresser ces colonnes qui sont pourtant de poids tout à fait considérable. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que toutes les colonnes du Panthéon ne sont pas de la même couleur. Pour la façade, c'est-à-dire pour la partie du monument qui finalement est la plus visible, les architectes romains ont choisi d'utiliser ce qu'il y avait de plus cher et donc de plus prestigieux. Les autres colonnes en granit rouge, celles qui sont derrière, viennent de la carrière de Sienne, c'est-à-dire l'actuelle Assouan, toujours en Égypte. Mais la carrière de Sienne, elle est située à proximité du Nil, ce qui favorise considérablement les questions de logistique et qui réduit de fait le coût d'importation de ces colonnes.
À titre personnel, je ne suis pas persuadée que les colonnes de granit gris soient beaucoup plus belles que celles de granit rouge. Je ne sais pas comment cette différence était perçue dans l'Antiquité, mais il est fort probable que la volonté de mettre en avant les colonnes les plus chères corresponde avant tout à des considérations de prestige. Rome affichait ostensiblement sa richesse et par là même son pouvoir. Je vous propose maintenant d'entrer dans le Panthéon. Nous allons voir comment les parements de briques étaient décorés de plaques de marbre de fine épaisseur. Regardez, on ne voyait plus du tout la brique. Et ces parements de marbre permettaient d'une part d'introduire des variations de couleurs et d'autre part de donner la même impression de luxe que les constructions grecques qui, elles, étaient réalisées en marbre massif. Mais l'élément le plus extraordinaire de ce bâtiment, c'est sa coupole en béton de 43,30 m de diamètre. Aucune coupole plus grande que celle-ci n'a vu le jour avant le XXe siècle. La coupole de Saint-Pierre de Rome et la coupole que Brunelleschi a fait construire à Florence sont plus petites que la colonne du Panthéon. Alors vous savez désormais comment cette coupole a été construite, avec un coffrage qui a été rempli d'un mélange de chaux, de sable et d'eau, et également de petites pierres. Et les ingénieurs romains ont d'ailleurs choisi d'utiliser de la pierre ponce pour la partie supérieure de la colonne, c'est-à-dire de la pierre volcanique extrêmement légère. Ce procédé permettait d'alléger le poids de l'ensemble et donc de réduire la pression exercée sur les murs situés juste en dessous. Je vous ai parlé il y a quelques minutes du revêtement en marbre de ces murs, mais je précise ici que ces murs sont épais de 6 mètres. Il y a 6 mètres d'épaisseur de murs sur toute la périphérie de cet édifice. Cette épaisseur tout à fait incroyable est nécessaire pour soutenir le poids de la coupole. Et bien entendu, le poids de cette coupole était très préoccupant pour les Romains, et c'est probablement pour gagner quelques tonnes de matériaux que les architectes ont décidé de réaliser un oculus, c'est le trou que vous voyez sur le haut de la coupole, un oculus de 9 mètres de diamètre au sommet de la coupole. Alors dans les faits, cette idée est une véritable réussite architecturale, parce que non seulement on a gagné du poids, mais en plus, cela permet à la lumière naturelle d'entrer dans l'édifice. Et le cône de lumière va changer continuellement de place au fur et à mesure de l'avancée dans la journée, ce qui donne une atmosphère tout à fait unique à cet endroit. Je vais lancer une simulation solaire. Alors, on va dire qu'on va regarder ce qui se passe entre midi, par exemple, et voilà, 18h, c'est très bien, parce que je voudrais vous montrer quel était l'effet obtenu dans la journée. Ce jeu de lumière est absolument unique à Rome. Ici, on est le jour de l'équinoxe de printemps, on est le 21 mars. Et cet oculus participe à faire de ce lieu un espace tout à fait remarquable. Ici, vous assistez au coucher du soleil et on voit petit à petit la lumière qui tombe sur le Panthéon. Alors, je vais revenir en milieu d'après-midi, vers 15h, parce que je voudrais encore vous dire quelques mots de la décoration de l'extérieur de l'édifice. Donc, nous allons ressortir du Panthéon et je vais vous montrer comment les architectes romains pouvaient rendre à l'extérieur de ces grands édifices toute la splendeur qu'ils avaient à leur état neuf, et ce, à moindre coût. Alors, on va longer ici le mur d'Essa Hepta et on va aller s'installer ici, sur ce petit côté. Nous sommes ici en présence de deux types de constructions différents, de deux types de parements différents plutôt, puisqu'ici tout est englobé de béton. Le soubassement du Panthéon, c'est-à-dire son podium, est réalisé avec un parement de marbre. Vous voyez les joints du marbre juste à mes pieds. Alors que toute la partie supérieure du mur est constituée d'un parement de briques, qui est simplement recouvert d'un enduit. Le ravalement de la partie enduite pouvait être réalisé très simplement
et à moindre frais, en passant tout simplement du lait de chaux sur les murs. Alors le lait de chaux, c'est très simple. C'est uniquement un mélange d'eau et de chaux, et c'est un mélange qui avait sensiblement la même consistance que la peinture. C'est l'opération qui est actuellement en cours, même si les ouvriers sont partis déjeuner. On peut imaginer que les monuments les plus prestigieux de la ville étaient ainsi régulièrement repeints, ce qui leur rendait tout leur éclat originel, sans avoir à aller chercher du marbre dans les carrières. Pour conclure, nous espérons que cette séance vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur l'utilisation de la brique et du marbre. On ne peut pas introduire une simple dichotomie entre une architecture privée de briques et une architecture publique de marbre. En réalité, un nombre important d'édifices publics sont construits avec la technique du béton, donc avec des parements qui sont souvent montés en briques, même si d'autres matériaux pouvaient être utilisés, nous l'avons vu dans la première partie. Donc finalement, la difficulté principale est celle de la lecture de la ruine. Les spécialistes n'ont pas de difficulté à imaginer les enduits, les stucs sur les parties intérieures de ces murs. Ils imaginent aussi les revêtements de marbre sur certains de ces murs. C'est une construction intellectuelle qui permet de redonner vie à ces édifices dont il ne reste aujourd'hui que le squelette. Donc nous espérons que nos restitutions et ces quelques conférences vous permettent de mieux comprendre les villes romaines et vous donnent peut-être envie d'aller sur place pour réaliser une sorte de chasse au trésor, pourquoi pas. Le sujet de ce soir était technique. Il peut paraître, je l'admets, un petit peu aride. Mais si vous repérez les planches de coffrage sur les arcades du Colisée, si vous regardez les quelques fragments de stuc encore visibles sous la corniche de la Curie sur le Forum romain, vous verrez que peu à peu, votre regard va s'affûter. Et je vous assure que vous prendrez de plus en plus de plaisir à rechercher des indices de construction dans cette Rome qui nous fait tant rêver. Je vous remercie. Merci, merci à vous. On va passer à la traditionnelle séance de questions. Donc un micro, des micros vous seront distribués pour que d'abord qu'on vous entende et puis ensuite que votre voix soit également enregistrée. Voilà, donc je vais demander à Charlie et à Mathieu de faire passer les micros. Là, en attendant que les premières mains se lèvent, je vais vous dire que la prochaine nocturne, celle du mois de novembre, sera consacrée à la cérémonie du triomphe à Rome. On essaiera de vous montrer comment c'était à la fois une cérémonie religieuse et également un grand spectacle. Alors, merci pour cette conférence qui était très intéressante sur un sujet qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder. Moi, j'ai une question qui sort un peu du sujet chronologiquement. Si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas de béton dans l'art roman, me semble-t-il, alors que dans la logique, on est quand même dans quelque chose au Moyen-Âge qui est quand même assez proche de la logique antique. J'aimerais savoir ce qui est arrivé au béton. Pourquoi a-t-il disparu ? Alors, on a quand même continué à l'utiliser. On a des... On a des cryptes, on a des voûtes encore au Moyen-Âge qui sont construites en béton. Ce n'est pas une technique qui s'est complètement perdue, qui a complètement disparu après l'époque romaine. On a continué aussi à utiliser le ciment hydraulique. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ça paraît curieux, que sur beaucoup d'édifices romains avec des parements de briques, on voit que les briques ont été récupérées. C'est pas pour les rutiler en tant que briques, parce qu'on les casse forcément en les récupérant comme ça, mais c'est pour refaire du tuileau, pour refaire ces fragments de briques qui vont être réutilisés dans du béton plus tard également au Moyen-Âge. Il y a un colloque, je vous donne le titre en français, c'est démolir, réutiliser, réinventer. C'est un colloque sur la brique qui s'est tenu il y a quelques années à Rome. Il est en italien, par contre. Oui.
Oui, bonjour. Est-ce qu'ils utilisaient le charbon pour faire cette chaux, ou alors sinon il fallait des grandes quantités de bois ? Oui, voilà. C'était les fours à chaux étaient chauffés avec du bois, oui, hein, avec du bois qu'on a chargé, éventuellement du charbon de bois. Mais en effet, il fallait pour ces fours à chaux de grandes quantités de bois. On se retrouve dans la même problématique que celle qu'on a évoquée quand on a parlé des fours des thermes. Les Romains sont des grands consommateurs de bois. Ben, vous l'avez vu pour les coffrages, hein, les coffrages du béton en fondation qui n'est pas récupéré, mais également, bien sûr, pour le chauffage et pour cette cuisson de la chaux. Après, ils brûlaient un petit peu tout ce qui leur tombait sous la main. On sait que dans certaines régions, ils pouvaient allumer le feu avec des noyaux d'olive aussi, parce qu'on utilisait bien sûr la chair de l'olive, mais on pouvait récupérer les noyaux. Donc on va un petit peu brûler tout ce qu'on va pouvoir pour économiser quand même un petit peu la ressource naturelle. Oui, une question sur Internet, c'est François qui va la poser. Une question pour savoir sur les sources, comme, d'où viennent les informations que l'on a sur l'origine du béton. Alors, la personne cite Vitruve, mais y a-t-il d'autres auteurs qui nous en ont informés ? Alors, en fait, c'est Vitruve hein, qui est notre unique source technique en matière d'architecture pour l'Antiquité. Mais cela dit, d'un point de vue archéologique, le béton a été étudié, analysé en laboratoire. Donc on connaît bien la composition du béton romain. Justement, une question un petit peu connexe. Est-ce que ce béton a la réputation de pouvoir se réparer des micro-fissures ? Justement, a-t-on compris un petit peu comment il avait cette capacité ? Oui, alors il y a des recherches qui ont fait beaucoup de bruit récemment, des recherches notamment menées au MIT, aux États-Unis, sur le béton romain. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait la chaux sous forme éteinte. Hein, c'est la méthode classique d'utilisation de la chaux. On s'est rendu compte, en analysant certains bétons romains, qu'ils avaient utiliser de la chaux vive. Alors c'est quelque chose d'étonnant qui a à la fois des inconvénients et des avantages. Donc la chaux vive, d'abord c'est un produit qui est mal commode à utiliser. Hein, si vous mettez en même temps dans votre mélange de gravier, de sable, de la chaux vive et de l'eau, ça se met tout de suite à chauffer. Il y a des projections, c'est pas facile à utiliser dans l'immédiat. Hein, normalement, on utilise la pâte issue de la chaux éteinte. L'autre inconvénient, si on fait ça, c'est-à-dire que si on mélange directement la chaux vive au sable et à l'eau, c'est qu'on va avoir... On fait faire le travail de foisonnement. Parce que la chaux ne devient un liant que quand elle est éteinte. Hein. Or, là, on fait un double travail. On fait à la fois le séchage à l'air et puis la transformation de la chaux vive en chaux éteinte, qu'on appelle aussi de la chaux grasse. Hein, dans ces cas. Ça fait que le processus va être très long. Et avant d'enlever le coffrage, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. Hein, déjà, aujourd'hui, je crois qu'on compte 29 jours hein, pour enlever un coffrage de voûte en béton. Dans l'Antiquité, c'était beaucoup plus long, certainement. Si on a utilisé de la chaux vive, il va falloir attendre encore beaucoup plus longtemps que tout le mélange prenne bien. Par contre, il y a deux avantages. Il y en a un qui est lié justement à la lenteur. C'est que la maçonnerie va prendre le temps de se tasser. Et le deuxième avantage, c'est celui que tu signalais dans la question, c'est qu'en fait, ce béton va avoir la capacité de s'auto-réparer. En effet, comme le processus n'est pas tout à fait terminé à l'intérieur même de la maçonnerie, si une fissure se crée, on a de l'air qui arrive, de l'eau qui arrive, et la fissure va se réparer. Hein, voilà la teneur, je simplifie beaucoup, mais voilà en gros la teneur des dernières découvertes qui ont été faites sur le béton romain.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, une deuxième question. Vous nous avez montré que les fours à chaux étaient en périphérie de Rome. J'en déduis qu'il devait donc y avoir des carrières de pierre à chaux, de pierre calcaire à Rome. Il doit donc y avoir, comme à Paris, enfin, le sous-sol de Rome doit donc être un peu semblable à celui de Paris, j'en déduis, non ? Alors, pas totalement. Je ne sais pas où étaient situées exactement les carrières de calcaire aux environs de Rome. Rome est surtout connue en fait pour un sous-sol de pierre volcanique, ce qu'on appelle le tuf notamment, hein, qui a été beaucoup utilisé dans les premières constructions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image que j'ai montrée de la muraille servienne, hein, qui, dans son état de la diapositive, date du IVe siècle. Ce sont des blocs de tuf. Hein. C'est une pierre qui est soit selon l'origine, qui va du jaune au gris. Voilà. Alors, ce qui est terrible, entre parenthèses, pour les monuments antiques, c'est que quand Rome a perdu de son importance, a perdu son statut de capitale après le 5e siècle, eh bien, c'est qu'on a installé les fours à chaux directement dans les monuments romains. Bah oui, la basilique émilienne, par exemple, on a installé des fours à chaux intérieurs, et puis on cassait tout ce qui était en marbre et on le brûlait, parce que le marbre, c'est un calcaire, le marbre, hein, ça faisait une excellente chaux. On a comme ça des traces de fours à chaux dans la basilique émilienne, dans le théâtre de Balbus, à différents endroits. On installait directement au Moyen-Âge des fours à chaux dans les bâtiments romains qui servaient du coup alors de carrière de calcaire pour là en abondance. Hein. Et sur le site même de Rome. Les plaques de marbre étaient soit réutilisées telles quelles. Si vous allez à Rome, allez visiter l'église Santa Maria in Araceli, au sommet du Capitole, hein, et vous verrez, vous regarderez bien l'intérieur, tout le sol, c'est de la récupération de marbre de plaquage antique. Les colonnes aussi, d'ailleurs, sont des récupérations de monuments antiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une question, donc, est-ce qu'on sait combien de temps il fallait pour retoiletter un bâtiment donc au lait de chaux ? Est-ce que ça se faisait souvent et est-ce qu'on ne peut pas imaginer, du coup, Rome couvert d'échafaudage en permanence ? Bon, ça devait aller relativement vite, hein, parce qu'il suffisait de mettre cet enduit très rapidement. Ça a la même consistance que la peinture, donc ça va s'étaler vraiment rapidement. Après, le but, c'est bien de rendre la splendeur au monument. Donc, il ne faudrait pas imaginer un excès inverse où on se retrouverait dans une Rome couverte d'échafaudages. Je pense qu'on pourrait imaginer peut-être des nouvelles peintures, peut-être une ou deux fois par an, mais ça devait quand même être réalisé de façon cohérente pour éviter d'avoir des échafaudages trop longtemps sur les bâtiments publics. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre l'intérêt de cette technique. Vous voyez, pour ravaler la curie. La curie, on vous dit, c'est un parement, un enduit, c'est du faux marbre. Mais là, il suffit de passer un coup de peinture et ça redevient du marbre tout neuf. Alors que s'il fallait nettoyer la pierre, hein, la regratter, enfin, il n'y avait pas la pollution comme aujourd'hui, donc les pierres se salissaient moins qu'aujourd'hui. Mais vous voyez l'intérêt aussi de cette technique, la rapidité de cette technique pour repeindre un enduit simplement et lui redonner l'éclat du neuf. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, bonne soirée, et puis j'espère au mois de novembre. Hein. Au revoir.